Salut bande de chenapans, ici Coche pour un nouveau tuto. Coche. Je sais que t'as envie de progresser à mort en beatbox. Voilà pourquoi je t'ai concocté ce nouveau tutoriel afin que tu puisses élargir ta palette vocale et ainsi pouvoir proposer un plus large registre de sonorités. Par contre, une petite question, pourquoi tu mets des lunettes 3D? Eh ben t'sais quoi, moi j'aime bien voir les gens en 3D. Tiens, aujourd'hui on va apprendre à faire le crapaud. Alors quand on parle dans la vie, on utilise notre voix en faisant sortir l'air, en expirant, d'accord jusque là? Et ben là il va falloir faire le contraire, il va falloir inspirer, c'est-à-dire parler en faisant rentrer de l'air. Alors tu vois, c'est exactement comme quand tu parles très très près du visage d'une personne et que tu veux pas qu'elle sente que t'as une haleine fétide. Salut ma petite chérie, comment tu vas aujourd'hui? Parce que si, t'as une haleine fétide. Ou pour imiter les jouets des gamins, tu sais, les ordinateurs qui parlent. Bravo, tu as gagné. Ou sinon, comme dans les films qui font flipper, les films d'horreur, tu sais, genre l'exorciste. Va brûler en enfer. Ça peut servir à faire le cri du chameau aussi. À pas utiliser en toutes circonstances. Et une fois que t'as cette voix, il va falloir dire 8 bits. Ouais, je sais. Bon, c'est comme ça, hein. Ça fait ça. Ribbit, 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 ribbit. On peut s'en servir dans des instrus aussi, regarde. Ribbit, 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 ribbit. Ok, c'est tout pour aujourd'hui. Maintenant, c'est à vous de vous entraîner. Je vous remercie parce que ça y est, on a dépassé les 3000 sur ma chaîne. Bientôt, ça va être les 10 000. Je vais devenir... Enfin bon, ok, ça va bien me chauffer, ça va bien me chauffer. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Mettez des likes, partagez, histoire de m'aider. Un peu comme moi, je vous aide, quoi. Tu vois, allez, lunettes 3D. Je kiffe voir la vie en 3D. A plus.